je suis ravie de vous retrouver. Alors, deuxième semaine de ce mois de défi pour garder la forme et garder la ligne. Aujourd'hui, 5 nouveaux exercices de cardio que vous pouvez refaire demain et mercredi. Et jeudi, on se retrouvera pour 5 nouveaux exercices de renforcement musculaire. Et toujours, à la fin de la vidéo, un nouveau menu pour la semaine. Allez, on commence par un petit échauffement. C'est parti, on met ses baskets. Allez, jambes écartées, on inspire, on se réveille en douceur, on tire sur les bras. Et on souffle, on relâche. Encore une fois, ici, monte et descend. Toujours le ventre serré, souple sur les genoux. Et relâchez, encore. Dernière fois, on reste en haut. Et ici, on incline à droite et à gauche. Allez, le ventre bien serré. On descend les bras et on part sur le côté. Les hanches bien de face. On revient au centre, petit squat. Allez, on échauffe les jambes. Fesses bien en arrière. Et marchez. Allez, c'est reparti pour 5 exercices qu'on fera 20 secondes et 3 fois. Allez, marchez, marchez. On part ici en kick. On rajoute les bras. Tranquille pour le moment. Allez, on balance les bras. On tourne son buste. On ne monte pas les épaules. Et on relâche. Alors, toujours nos 10 secondes où vous restez statique sans vous asseoir ou vous marchez. Allez, on va reprendre les kicks en sautant cette fois-ci. Allez, serrez votre ventre, remontez votre périnée et marchez. Allez, on récupère ici. Pour le moment, c'est facile. Allez, le genou en catant avec le petit saut. Comme la semaine dernière, cette fois-ci, on rajoute bien le saut. On va chercher loin au plafond. Et relâchez. On va reprendre les kicks, cette fois-ci rapide, rapide. Prêt? Allez, on y va. Kick rapide, on serre bien le ventre, le buste ne bouge pas. Soufflez bien. Relâchez. Pardon. Allez, on va se déplacer en pas chassé. Petit poignet au bout. Prêt? On y va. Chasse. Saute. Saute. Chasse. Saute. Saute. Chasse. Hop. Allez, on va chercher loin sur le côté. Un dernier. Et marchez. Allez, ça y est, on a fait nos 5 exercices. On reprend depuis le début. Ça va très vite. On y va. Kick sans sauter. On tourne bien la taille. On monte bien les bras sans monter les épaules. Allez, on monte un peu plus haut la jambe. Et marchez. Cette fois-ci, avec le saut. Prêt? Allez, on y va. Saute. Encore, encore.
relâchez. Allez, toujours, on marche, ou vous restez statique, ne vous asseyez surtout pas. On reprend nos genoux quatre temps avec le saut. Allez, saute. On atterrit bien sur, doucement, en fléchissant bien le genou. Et relâchez. Prêt pour les kicks rapides. Prêt? Allez, hop. Encore. Et relâchez. Et notre déplacement. Pas chasser pony. Prêt? Allez, chasse. Saute, saute, chasse. Allez, on fléchit un peu plus les genoux. Saute, saute. Et marchez. Allez, notre dernière série. Soufflez bien. Allez, c'est parti, kick simple. On lève bien la jambe. La jambe au sol, toujours fléchie. Tourne bien le buste, sans bouger les hanches. Et relâchez. La même chose, avec un saut en deux temps. Prêt? Allez, saute. Relâche. Allez, il nous en reste plus que deux. Les kicks rapides. Prêt? Allez, on y va. Donc, j'ai encore une fois eu un problème avec mon micro. C'est génial. Allez, on y va, on y va. On essaye de faire un peu plus rapide. Fesses serrées, ventre serré et marchez. Allez, le dernier mouvement, les déplacements, bien fléchis. Prêt? Allez, fléchis. Fléchis. Saute, saute, fléchis. Saute, saute. Dernier. Saute, saute et marchez. Allez, on marche, on souffle bien, baissez vos épaules, toujours le ventre serré, on marche en ouverture, allez, on reste ici, on inspire, on se grandit, on tire sur les bras, on serre le ventre, on serre les fesses, et soufflez, encore une fois, inspirez, soufflez. Allez, on se retrouve pour les menus du lundi, mardi et mercredi. Allez, comme la semaine dernière, je vais vous donner les menus des trois premiers jours. Concernant les petits déjeuners, vous pouvez reprendre ceux de la semaine dernière. Allez, on commence avec le lundi 10. Vous pourrez prendre une salade de concombre avec 2 cuillères à soupe de crème légère,
une papillote de colin avec du citron et du persil, de la ratatouille, une cuillère à café d'huile, 4 cuillères à soupe de riz pour les féculents et en dessert un fruit de saison. Pour le soir, vous pouvez prendre une assiette de soupe au pistou, ensuite une purée d'aubergine avec un œuf et une cuillère à soupe de crème légère, une tranche de pain, 4 cuillères à soupe de fromage blanc et quelques cerises. Passons au mardi. Pour le midi, vous avez droit à un fond d'artichaut avec 30 g de fromage de chèvre et une cuillère à café d'huile d'olive et des fines herbes. Ensuite, en protéines, vous avez un filet de poulet, 4 cuillères à soupe de taboulé à la menthe et en dessert, vous pouvez prendre des billes de melon. Pour le soir, il s'agira d'un thon au four avec un coulis de tomates, des haricots verts, plus une cuillère à café d'huile. À côté de ça, en féculent, vous pouvez prendre 2 pommes de terre, en dessert, un petit suisse et des myrtilles. Pour le mercredi, en entrée, vous avez droit à des radis, en protéines, une tranche d'épaule de veau, des juliennes de légumes variés avec une cuillère à café d'huile, 4 cuillères à soupe de purée de pommes de terre, et en dessert, un fruit de saison. Le soir, vous avez droit à des tomates, de la salade verte avec 2 cuillères à café de vinaigrette, une portion de moule marinière, une tranche de pain et 1/8 de camembert en dessert, plus une tranche de pastèque. Et voilà, on se retrouve jeudi pour 5 nouveaux exercices de renforcement musculaire, ciblés cette fois-ci sur la taille, les abdos et le dos, et bien sûr la suite de notre programme alimentaire. On n'oublie pas ces exercices de cardio mardi et mercredi, et on se retrouve jeudi. En attendant, je vous embrasse très fort.